Les centrales hydrauliques sont dites de moyenne chute lorsqu'elles ont un dénivelé compris entre 30 et 300 mètres. Ces ouvrages sont généralement situés dans des régions de moyenne montagne. Ces centrales utilisent des turbines de type Francis. Elles permettent de s'adapter à la variation de débit qui, avec la hauteur de chute, conditionne la puissance de la centrale. Lorsque l'eau atteint la roue par le distributeur en spirale, les aubes mobiles du distributeur permettent de moduler son débit en fonction du besoin. Dans sa rotation, la turbine entraîne l'alternateur qui produit l'électricité. Enfin, l'énergie produite par cet alternateur est évacuée vers le réseau de transport d'électricité à l'aide d'un transformateur. Hormis la production d'électricité, la retenue d'eau peut avoir de nombreux usages : eau potable, irrigation, pêche, loisirs nautiques, tourisme, pour le plaisir de tous et en toute sécurité.